Une salle de classe double niveau à la maison. D'un côté le CE2, de l'autre la maternelle. Dans le rôle du professeur, la maman. Alors, il y a un problème de connexion là, attends, parce que j'ai Internet qui a... En ce mercredi d'école fermée, Maïwenn ne travaille pas et peut passer la journée avec ses enfants. Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Il faut faire les activités de Charlotte tout en suivant la correction de la dictée de Quentin. Elle fera, ça c'est bon, une pâte, ça c'est pas bon. L'école à la maison, Maïwenn pensait que c'était du passé. Faut ressortir le planning, faut ressortir les activités, faut ressortir les ordinateurs, les caméras. Avec les deux à la fois, qui n'ont pas les mêmes demandes au même moment. Va faire pipi. Quentin semble concentré et apprécie d'être chez lui. C'est que j'aime pas trop aller à l'école. Et puis là, tu restes avec maman et ta sœur ? Oui. Il y a moins de devoirs quand on est en visio. Pendant ce temps, Charlotte est déjà passée à une autre activité. Si la classe à distance se passe bien pour l'instant, cette mère de famille s'inquiète plus des conséquences sociales. Je pense que le manque de contact avec les autres enfants, c'est ça qui est plus dur pour eux. Loin de l'école, il faut maintenir un cadre quotidien. C'est quoi ça, Quentin ? Le planning pour les activités de confinement. C'est le planning confinement qu'on avait fait pour l'année dernière et qu'on a ressorti cette année. Demain, Maïwenn reprendra son activité en télétravail. En attendant, l'heure du déjeuner sonne. Au menu, un gratin de pâtes.